Nous saluons chacun de vous. Alors, du plus petit au plus grand. Du plus jeune au plus âgé. Et nous te saluons aussi, toi qui nous écoutes à la radio. Nous te saluons aussi, toi qui nous regardes sur Internet. Et nous te saluons aussi, toi qui nous regardes sur Hope Polynésie. Et nous remercions notre Dieu pour tous ces moyens qu'il met à notre disposition. Pour que son évangile puisse être proclamé en tout lieu. Et que chaque personne puisse bénéficier de sa parole. Chers amis, nous sommes très très heureux aussi d'être là parmi vous. Et nous sommes très heureux parce que nous allons passer 2 semaines à étudier ensemble la parole de Dieu. Et c'est un privilège et une grâce qui nous est accordée. C'est pour cela, à partir de demain, invitons encore nos amis. Nos collègues de travail. Et aussi nos voisins. À venir ici dans la maison de Dieu. Pour l'écouter nous parler au travers de sa parole. Et aujourd'hui nous allons commencer par étudier un sujet qui nous tient vraiment à cœur. Un sujet très très important. Et c'est quelque chose aussi qui tient à cœur pour notre Dieu. Et donc pour commencer, nous allons demander à Dieu le Saint-Esprit. Pour nous enseigner au travers de sa parole ce qu'est le mariage. Donc nous invitons à baisser la tête. Notre Dieu, notre Père, nous te remercions pour ta parole qui nous révèle la vérité et qui nous révèle aussi ta volonté pour chacun de nous. Et comme c'est ton Saint-Esprit qui a inspiré tous les hommes qui ont écrit ta parole, aujourd'hui encore nous te demandons que ton Saint-Esprit nous guide dans cette étude. Nous aide à mieux comprendre ce qu'est le mariage. Et pourquoi tu as institué cela à la création. Et aide chacun de nous ce soir à bien comprendre l'importance du mariage. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Amen. Chers amis, ce qui nous amène donc à parler de ce sujet en premier, c'est que nous voyons de plus en plus des personnes donc, qui vivent en concubinage. Et beaucoup de couples aujourd'hui vivent en concubinage.
Et nous allons voir un chiffre tout à l'heure. Et aujourd'hui, c'est que l'homme a abandonné et renié aussi l'ordre et la volonté de Dieu. Et combien parmi nous avons encore le souvenir de ce foyer, un foyer chrétien. C'est-à-dire pour ceux qui ont eu le privilège de connaître un tel endroit où Dieu était honoré, où Dieu était reconnu comme le chef de la maison. Et selon donc les statistiques, aujourd'hui ici en Polynésie française, j'ai mis 48,3% de couples vivent en concubinage. Et beaucoup de personnes aujourd'hui considèrent le mariage comme quelque chose qui n'est pas important. C'est-à-dire tant que nous puissions rester ensemble. Donc nous pouvons continuer à vivre comme cela. Et nous allons voir au travers de cette étude de la parole de Dieu. Et Dieu ne peut pas approuver ce genre de vie. Parce que c'est lui-même qui a institué le mariage. Et aujourd'hui encore, nous pouvons aussi voir donc ce chiffre de 7,7% de personnes donc qui divorcent après avoir été mariées. Et nous connaissons les conséquences de tout cela. Donc cela aussi a des conséquences sur les enfants. Et même aussi sur toute la société. Et l'âge moyen donc d'une personne qui se marie ou qui veut se marier. En 1984, l'âge moyen pour un homme lorsqu'il se marie était de 31 ans, alors que pour une femme était de 27 ans. Et à 2 ans de ça, donc en 2014, l'âge moyen pour un homme lorsqu'il se marie était de 37 ans. Et pour une femme, donc l'âge moyen lorsqu'une femme se marie était de 34 ans. Donc nous voyons déjà que depuis 1984 jusqu'en 2014, il y a 6 années de différence. C'est-à-dire que les personnes se marient de plus en plus vieux. Donc ce qui veut dire que la durée de vie en concubinage est plus longue. Donc aujourd'hui, l'homme ne considère plus comme le mariage comme quelque chose de très important. Et au travers de cette étude, nous allons voir d'après la parole de Dieu que c'est quelque chose qui tient beaucoup à cœur à Dieu. Et donc nous voyons déjà la création. Dans le livre de la Genèse au chapitre 2 au verset 18, il est écrit ici que l'Éternel Dieu dit: il n'est pas bon que l'homme soit seul. Dans Genèse chapitre 1, versets 27 et 28 plutôt. Et verset 28, la première partie du verset 27.
Alors dans le verset 27, il est dit, Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Et Dieu les bénit. Et Dieu leur dit, soyez féconds. Multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez. Donc nous voyons là que le foyer familial a été établi par Dieu. Donc, il a établi selon sa volonté. Donc lorsque Dieu créa Adam et Ève, il les unit par les liens sacrés du mariage. En leur demandant de se multiplier et de remplir la terre. Et pas cela même, donc il a institué la famille humaine. Le premier foyer. Et l'unité de la famille. C'est ce sera que repose donc la structure sociale de l'humanité. Et la maison, donc le lieu d'habitation de la famille. Donc un lieu de refuge. Et aussi, on entend souvent dire que la famille, c'est la base de la société. C'est-à-dire que lorsque le foyer disparaît, c'est-à-dire que lorsqu'il n'y a plus de famille, la société aussi disparaît. Parce que donc la société est un ensemble d'individus, de personnes qui vivent dans une relation donc de famille. Donc nous voyons ici l'importance du foyer de la vie familiale selon les pensées de Dieu. Et toujours dans le livre de la Genèse, au chapitre 2, verset 18, donc l'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et je lui ferai donc une aide semblable à lui. Et donc lorsque Dieu a vu Adam dans sa solitude, Dieu va lui faire une aide semblable à lui. C'est-à-dire qu'il sera son vis-à-vis, son égal. C'est-à-dire une autre personne avec qui il pourra échanger. Avec qui il pourra donc communiquer. Avec qui aussi il pourra partager. Et donc Ève fut ainsi prise de la côte d'Adam. Parce que c'était cela que le Créateur, que le Dieu Créateur voulait pour Adam. Et donc Dieu va lui amener, va amener lui-même ensuite Ève vers Adam. Et là donc Dieu va les bénir. Et dans Genèse chapitre 5 verset 1 et 2, lorsque donc Dieu créa l'homme, il créa l'homme et la femme. Et il est béni. Et nous voyons donc par cette parole, Dieu a voulu que ce soit un homme qui puisse rester avec une femme. Et c'est cela que Dieu bénit. Parce que l'homme n'est pas complet en lui-même. Il lui faut aussi une femme. Et donc le mariage est la plus ancienne institution que Dieu a donnée à la race humaine. Donc nous voyons là que Dieu a institué le mariage. Donc lorsqu'il a créé l'homme et la femme. Et c'est cela donc la volonté de Dieu. Et te lira tin arotea tua.
Et dans Hébreux chapitre 13 verset 4. Et yatai otatu rutete heperait pen arue mantoru et yatai otatu irawamha. Dieu va encore au travers de sa parole. Et elira te atue paramaya narto itana pra. Au travers de l'apôtre Paul. Narto yet apotetoro o Paulo. Donc il va écrire dans Hébreux chapitre 13 verset 4. Et papa, que le mariage soit honoré de tous. Et le lit conjugal exempt de souillure. Car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Et donc, chers amis, nous voyons par ce verset que Dieu ne peut pas accepter le concubinage. Lorsqu'un jeune homme ou une jeune fille, lorsqu'un homme ou une femme restent ensemble, il faut absolument qu'ils soient unis par les liens sacrés du mariage. Parce que c'est cela que Dieu bénit. Parce que c'est dans son plan. Donc Dieu lui-même a institué le mariage à la création. Et Dieu a mis donc son autorité sur l'institution du mariage. Dans le livre de l'Exode, chapitre 10, verset 23, donc dans Exode chapitre 10 verset 23, dans ce verset nous pouvons voir quelque chose de très important. Donc Dieu a voulu que cela se passe dans les maisons où habitaient donc les enfants d'Israël. Donc c'était pendant que les enfants d'Israël étaient encore en esclavage en Égypte. Et Dieu donc va envoyer Moïse pour délivrer le peuple de Dieu de l'esclavage d'Égypte. Et pour convaincre Pharaon de laisser partir le peuple de Dieu, Dieu va envoyer des plaies au travers de Moïse. Et ici nous allons voir donc la neuvième plaie. C'est-à-dire avant la dernière plaie. Et la neuvième plaie donc était d'épaisse ténèbres. C'est-à-dire que Dieu va envoyer d'épaisses ténèbres sur tout le pays d'Égypte. Et dans le livre de l'Exode, chapitre 10, verset 23, on nous dit, il faisait tellement noir qu'on ne se voyait pas les uns les autres. Et que personne ne se leva pendant 3 jours. Mais il y avait une exception. Et la suite du verset nous dit, mais il y avait de la lumière dans les lieux où habitaient tous les enfants d'Israël. Et encore pour aujourd'hui, c'est ce que Dieu veut pour chaque famille. Que chaque famille puisse refléter la lumière qui vient du ciel. Et donc le vrai foyer chrétien est celui où l'on donne au Seigneur la place qui lui revient. Et où tous les membres de la famille travaillent selon la volonté de Dieu. Et où l'amour qui vient de Dieu constitue donc l'élément qui domine. Et c'est là aussi où la parole de Dieu est lue. Et là aussi où la parole de Dieu est mise en pratique. Et là où on peut entendre les prières et les louanges.
Et là où brille donc cette lumière qui vient du ciel. Comme les enfants d'Israël en Égypte. Lorsque Dieu donc va envoyer donc d'épaisses ténèbres sur tout le pays d'Égypte. La lumière ne se trouvait uniquement que dans les maisons où habitaient les enfants d'Israël. Et c'est ce que Dieu veut pour chaque foyer. Que chaque foyer puisse suivre la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu ne peut se trouver que dans sa parole. Et Dieu encore va donner donc des instructions aux enfants d'Israël. Et nous pouvons lire cela dans Deutéronome chapitre 11 au verset 18. Donc il est dit là que Dieu va dire donc au peuple d'Israël de mettre sa parole dans leur cœur. Donc mettez dans votre cœur et dans votre âme ces paroles que je vous dis. Et vous les lirez comme un signe sur vos mains. Et elles seront comme des frontaux entre vos yeux. Et ensuite au verset 19 et au verset 20, vous les enseignerez à vos enfants. Et vous leur en parlerez quand tu seras dans ta maison. Quand tu iras en voyage. Quand tu te coucheras. Et quand tu te lèveras. Et tu les écriras sur les poteaux de ta maison. Et sur tes portes. Nous voyons là donc l'importance de la parole de Dieu. Et donc lorsque deux personnes se marient, ils accomplissent par là donc la volonté de Dieu. Et pour que leur union puisse durer. Parce que Dieu a voulu donc pour le mariage, c'est une union entre un homme et une femme pour la vie. Et pour qu'un mariage puisse durer, il faut que Dieu puisse régner dans ce foyer. Et Dieu ne peut régner dans ce foyer qu'au travers de sa parole. Parce que c'est dans sa parole que se trouve la volonté de Dieu. La volonté de Dieu pour chaque foyer. Et lorsque Dieu, donc au travers de Moïse, va recommander aux enfants d'Israël, non seulement de mettre ses paroles dans leur cœur, mais qui doivent aussi enseigner cette parole à leurs enfants. Et qui doivent même les écrire sur les poteaux de leur maison. Et sur les portes. Cela veut nous dire que cette parole doit régner, doit dominer dans cette maison. Et donc c'est une manière aussi pour nous donc de faire briller cette lumière qui vient du ciel. Et c'est un témoignage aussi pour tous ceux qui entreront chez nous. Et on raconte l'histoire d'un père. Que le fils va inviter un jour pour venir voir sa nouvelle maison.
tēnei te maiti o te tītau manhini i haramei tēie me tuatāne mat eit ei tōna whare. Et donc ce fils d'un chrétien qui est âgé, oi hei, tēnei te maiti e te maiti ana tō e metua pāri e teretitian o tēie metua. Va inviter son père un jour à venir visiter sa maison. E tītau manhini o iei tōna metua i haramei e mat eit ei tōna utua tōna whare. Donc il avait fini de meubler sa maison. I te teme o ia whanhonhon e te motahi ai roto i tēie whare. Et donc le père va venir visiter la maison de son fils. E erira tō i tēie metua haramei harer amai e mat eit ei tēie whare. Et après avoir tout vu, tout visité, e te teme o ia mat eit ei te taat oar au tēie whare. Il va dire à son fils, bien mon fils, tu as certes une maison très confortable. Mais personne ne pourra dire en la visitant que c'est un enfant de Dieu qui y habite ou un homme du monde. Et ces mots donc ont tellement frappé le fils. Qui va donc mettre des versets bibliques partout dans sa maison. Il va enlever donc tout ce qui gênait donc la vue de son père. Et il va mettre des versets bibliques partout dans la maison. Donc par cette histoire, Dieu voudrait nous montrer donc la place importante que doit occuper sa parole dans chaque maison. Parce que c'est là où se trouve la volonté de Dieu pour chaque famille, pour chaque foyer. I roto i te praua te atua, i te etato i tsinaro te atua no te mautua whare atua. Dans le livre des Proverbes, chapitre 18, verset 22, i roto i te puta materi, i te pene hoi ahurue mai mav, o i te pene ahurue mai piti, celui qui trouve une femme trouve le bonheur. O te ite i tso evheine o whareireia onait oa oa. Et c'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. E tso e ia mait e tanei fan o no o mai te atua. Chers amis, c'est ainsi que chaque homme devrait considérer sa femme. Il devrait penser donc à sa femme comme étant un don du Seigneur. Et le mariage d'Adam est le modèle pour tout mariage. Donc nous avons vu tout à l'heure que c'est Dieu lui-même qui va amener Ève vers Adam. Et donc Dieu avait préparé l'union d'Adam et Ève. Et donc la sagesse de Dieu discerne le moment où la solitude de l'homme n'est plus bonne pour lui. Et donc il va lui donner une épouse qui est le vrai complément donc de l'homme. Et donc pour Adam, il n'a pas eu à choisir sa femme. C'est Dieu lui-même qui a choisi la femme pour Adam. Et il y a un vieux proverbe qui dit que les mariages sont faits dans le ciel. Parce que c'est Dieu seul qui peut donner à un homme, à tout homme, une vraie aide. C'est-à-dire celle qui va correspondre à tel homme. Et lui seul donc peut aussi rapprocher un jeune homme et une jeune fille. Et faire d'eux une seule chair dans le Seigneur. Et dans l'évangile de Matthieu, chapitre 19, au verset 6. Et dans la deuxième partie du verset 6. Donc c'est Jésus lui-même qui va dire que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Et donc cela nous montre encore ce que c'est que la volonté de Dieu pour le mariage. Donc c'est une union pour la vie.
C'est une union entre un homme et une femme. Et donc c'est cela la volonté de Dieu. Et c'est ce que Dieu bénit. Et donc si le mariage est la volonté de Dieu, donc c'est très important pour nous de considérer donc le mariage comme quelque chose de sérieux. Donc pour toutes les personnes donc qui ont ce désir de s'unir, il est important pour chacun de nous de connaître quelle est la volonté de Dieu. Et donc nous devons demander à Dieu pour cela. Est-ce que le jeune homme ou la jeune fille, voilà, est-ce que l'homme ou la femme que tu mets devant moi, est-ce que c'est ta volonté? Parce que ce que Dieu veut pour chaque être humain, c'est uniquement son bien. Donc, ce qui doit attirer deux êtres, c'est uniquement cet amour donc qui vient de Dieu. Parce que cet amour de Dieu ne change jamais. Et ce n'est jamais l'amour sentimental. Voilà, il faut que ce soit l'amour qui vient de Dieu. Ce n'est pas un amour sentimental. Et l'amour sentimental est dangereux. Parce qu'il peut varier d'un jour à l'autre. Et aujourd'hui, je t'aime à la folie. Tout le monde, il est beau, tout le monde, il est gentil. Mais après demain, je ne veux plus de toi. Et encore aujourd'hui, ça se passe comme cela. Et c'est pour cela que nous avons voulu absolument parler de ce sujet ce soir. Pour que le mariage soit considéré avec sérieux. Que nous puissions bien comprendre l'importance du mariage. Parce que c'est Dieu lui-même qui a institué le mariage. Et ce n'est pas quelque chose qui a été inventé par l'homme. Et le mariage ne consiste pas simplement en une cérémonie devant le maire. Bien que c'est nécessaire. Pour que nous puissions observer les lois civiles. Mais le mariage est plus que cela. Le mariage est une institution de Dieu. Et donc il nous faut absolument mettre Dieu à la place qui lui convient. Et connaître sa volonté. Donc pour connaître sa volonté, il faut absolument que cette parole soit lue, soit étudiée, soit méditée. Et chers amis, tout au long de ces deux semaines que nous allons passer ensemble, nous allons éviter très peu de commentaires. Mais nous allons beaucoup lire les paroles qui sont dans ce livre. Parce que de plus en plus aussi l'homme abandonne cela. La Bible n'est plus considérée comme la parole de Dieu. Même pour beaucoup de chrétiens. Considérer ce livre comme un livre d'histoire.
Mais alors que cette parole est vraiment la parole de Dieu. Et donc pendant ces deux semaines, nous allons étudier cette parole. Et si c'était possible que nous puissions chacun avoir cette parole. Mais par manque de temps. C'est pour cela que nous affichons donc les versets sur l'écran. Mais l'idéal, c'est que nous puissions ouvrir chacun ce livre. Et voir ce qui est écrit dedans. Donc le mariage est une institution divine. Que Dieu donc a déjà préparé à la création. Et donc c'est Dieu lui-même qui a choisi une épouse pour Adam. Et lorsqu'il a créé l'homme, donc il a créé l'homme et la femme. Et c'est cela qu'il a béni. Et ensuite il a mis son autorité sur cela. Donc, que le mariage soit respecté. Donc, ce soir, nous remercions notre Dieu. Nous avoir donné cette grâce de pouvoir connaître sa parole. Et particulièrement sur ce sujet très important. Qui est le mariage. Et donc, comme nous avons vu tout à l'heure, 48,3% de personnes vivent en concubinage. Parce que l'homme ne considère plus le mariage comme quelque chose de très important. Et sûrement aussi, l'homme ne pense plus que le mariage c'est le plan, ça fait partie du plan de Dieu. Et donc c'est ça, c'est la première chose qu'il a instituée. Et il y aura une deuxième chose qui va aussi instituer pour le bonheur de l'homme. Mais que nous allons étudier la semaine prochaine. Et ces deux choses vont ensemble. Parce que c'est la volonté de Dieu pour chaque être humain. Et Dieu ne veut que du bien pour chacun de nous. Et nous allons voir tout au long de ces études que Dieu a pourvu quelque chose de formidable pour chaque être humain. Donc que Dieu puisse aider chacun de nous. Que Dieu puisse aider chaque jeune homme, chaque jeune fille. Peut-être qui aujourd'hui donc se fréquente. Qui puisse se mettre ensemble et demander à Dieu est-ce que c'est vraiment ta volonté. Est-ce que le jeune homme que tu as mis devant moi et celui que tu veux. Est-ce que la jeune fille que tu as mis devant moi est celui et celle que tu veux? C'est absolument important pour nous de connaître la volonté de Dieu. Donc que Dieu puisse aider chaque couple. Aussi. Qui continue donc à vivre en concubinage. Et qui puisse donc dans les jours à venir se mettre en règle devant Dieu. Parce que Dieu bénit lorsque deux personnes se marient. Lorsqu'un homme et une femme se marient. Dieu ne bénit pas lorsqu'un homme se marie avec un autre homme. Ou lorsqu'une femme se marie avec une autre femme. Parce que lorsque Dieu a créé, il a créé l'homme et la femme. Et il est béni.
Et donc c'est dans les liens sacrés du mariage que Dieu bénit. Dieu ne bénit pas hors du mariage. Et Dieu ne peut pas bénir hors du mariage. Parce qu'il n'a pas institué cela. Ce qu'il a institué, c'est le mariage. Entre un homme et une femme. Et c'est une union pour la vie. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Et que cette parole puisse régner dans chaque foyer. Parce que c'est cette parole-là qui nous révèle la volonté de Dieu pour chacun de nous. Et donc tout au long de ces deux semaines, nous allons étudier la parole de Dieu. Et donc que Dieu puisse aider chacun de nous à continuer à lire, à étudier et à méditer la parole de Dieu. Donc invitons nos amis, invitons nos familles, invitons nos collègues de travail à venir écouter la parole de Dieu. Et s'ils habitent très loin, invitez-les donc à écouter à la radio. La voix de l'espérance. Et s'ils ont une connexion Internet, invitez-les aussi à se connecter sur Internet. Parce que comme nous l'avons dit au début, que c'est une grâce qui nous est accordée. C'est un privilège qui nous est accordé chaque soir. D'étudier cette parole. Était toi ta papa à était Amen. Amen.